Bonjour, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test et avis sur le thème de la magie. Cette fois-ci, je vais vous parler littérature. C'est un livre qui va devenir un outil redoutable pour les magiciens. Le livre s'appelle « Nulle part ailleurs » de Gerard Buckner. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, il est sans doute l'un des plus grands créateurs d'illusions d'optique dans le monde entier. Dans le livre que je vais vous présenter, il nous offre ici le secret le mieux gardé. C'est une méthode qui permet d'avoir un contrôle total sur les cartes malgré les apparences. Vous l'aurez compris, c'est un outil puissant qui saura combler tous les mentalistes. Il vous suffira de quelques secondes pour comprendre le secret, et ça va vous permettre en fait de créer plein d'effets. Après avoir lu ce livre, vous serez capable de faire des prédictions à 100% exactes. Il n'y a aucun gimmick, c'est juste un principe en fait qu'il faut connaître et qui permet en fait de donner de la puissance à vos propres routines. Vous ne rêvez pas, vous serez capable de maîtriser la position d'une ou plusieurs cartes malgré les actions du spectateur. L'ouvrage est composé de 55 pages avec le préface de Fabien Olicard aux éditions Le Cabinet d'Illusion. Voilà. À l'intérieur, la qualité du papier est glacée, de très bonne facture. Vous allez donc retrouver de multitudes de routines. Il y en a 15 au total, il me semble. 15 avec donc l'explication de la méthode qui prend en fait que 2% du livre parce que le reste, c'est que des routines. Je souhaiterais quand même insister sur une chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est en fait le procédé qui est expliqué, vous permettra, et c'est ça là, en fait la puissance qui en dégage de ce livre, de créer de nouvelles routines de magie et de mentalisme. Franchement là, c'est énorme. Alors pour les magiciens, si je vous dis que le procédé est associé à la méthode Pateo, ça vous parle? Les explications des tours sont très simples à comprendre et très agréables à faire. Alors, ce qui est très intéressant en fait à retenir en parcourant le livre, c'est que la méthode ne s'arrête pas uniquement avec des cartes à jouer. Vous pouvez l'utiliser avec des cartes de visite, voire des cartes personnalisées comme expliqué dans le livre d'ailleurs. Par exemple, vous avez une routine où les cartes utilisent l'image d'une corde de magicien. Il y a une routine que j'aime bien en particulier, c'est la routine Fastball qui elle, en fait, utilise des cartes avatar. Alors ce qui est bien, c'est que ça permet de plonger vos spectateurs sur l'ambiance de ce réseau social. Une autre que j'ai bien aimé aussi, c'est celle avec les drapeaux, car le spectateur fait pratiquement tout le travail pour vous. C'est simple à faire, mais c'est diabolique. Mais j'ai une confidence à vous faire. Si vous allez dans les pages 45 et 52, qui sont pour moi les plus importantes de ce livre, car en fait, elles regorgent d'informations les plus importantes à retenir. Ici, l'auteur va plus loin en vous livrant d'autres pistes. Et là, je dis merci à Gerard Buckner pour ce cadeau, parce qu'en fait, ce livre, c'est un vrai régal à lire. Et honnêtement, je vous dirais que c'est un livre indispensable pour tout magicien et mentaliste. Donc, vous l'aurez compris, ce recueil, en fait, est tout simplement une ouverture magique pour ceux et celles qui veulent améliorer leur routine. Alors, on se retrouve avec Brigitte. Salut à vous. Et pour faire les faits, eh bien, simplement un jeu de cartes qui peut être emprunté. Alors Brigitte, oui. Un jeu de cartes, je te montre, 52 cartes, et je vais te demander de choisir 10 cartes, pour commencer, 10 cartes tiens, de couleur rouge, mais à point, d'accord, que tu me poses dans ma main. Rouge. Rouge. Tu les poses dans ma main. Côté... Face en l'air, face en l'air, que tout le monde puisse bien les voir à la caméra, voilà. Je me les mets bien en tas, voilà, comme ça, hop, je pose. Tu peux y aller, il en faut 10. Vous allez voir que Brigitte, pendant qu'elle fait son petit dépatouillage, que tout est fait devant vous, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien du tout. Ça va Brigitte, ça se passe bien? J'espère que j'ai bien compté, il y en a 10. T'es sûr? Oui. Bon, allez, on recompte. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors maintenant, je voudrais que tu me sortes une carte noire, une carte figure ou à point. C'est comme tu veux. Celle que tu aimes. Tiens, allez, vas-y. 7. Parfait. Donc, le reste du jeu, tu le poses, tu me le donnes. On n'en a plus besoin. Mes amis, regardez. Des cartes à point uniquement rouge et noir. Alors, regardez. Ce qu'on va faire, on va un peu perdre la carte noire. Et Brigitte, je vais te demander de faire deux tas. D'accord, donc tu vas faire comme ça, tu vas faire des piles, de gauche à droite, vas-y. Et vas-y, tu mélanges. Pourquoi on fait ça? Simplement pour perdre un peu plus la carte étrangère. Voilà, c'est fait. Parfait. Est-ce que tu veux remélanger? Tu peux encore remélanger si tu veux. Ouais, tiens. Alors refais un mélange, voilà, tu vas. Allez, vas-y, mélange, voilà, fais des tas.
Elle peut s'arrêter où elle veut. C'est ça l'intérêt, en fait, de cet effet. Je m'arrête. Non, non, mais tu continues, tu continues. Ah, d'accord. Tu veux dire que dans les mélanges, voilà, tu as mélangé. Ok. Et maintenant, l'idée, c'est de retrouver la carte. Toi, tu sauras à peu près où elle se trouve, la carte ? Ah, pas du tout, alors. Moi, je vous avoue, moi non plus. Mais il y a la magie. Eh oui. Et alors, regardez ce que je vais faire. Je vais faire un truc que je ne fais jamais. C'est de prendre les cartes sans les regarder et de les mettre dans mon dos. Et là, je vais essayer. Tu ne regardes pas. Je vais essayer de retrouver. Je pense qu'elle n'est pas là. J'y retourne. Je pense qu'elle n'est pas là non plus. J'y retourne encore. Non, je pense qu'elle n'est pas là. J'y retourne. Ah, là, j'hésite. Ah ouais? Ah non, non, c'est pas bon. Je vais recommencer. Ah là, franchement, j'hésite. Ouais. Là, j'hésite. Alors, on va faire un autre truc. On va faire un... Tiens, on va faire ça. On va faire un truc comme ça. Et là, j'ai une carte. Ouais. On va regarder tout ça. Après tous ces mélanges, à vous, si cette carte, ici, c'est la mienne, est magique, ça serait le miracle. Mais carrément. La carte étrangère, c'était quoi? Le 4 de trèfle, je crois. Le 4 de trèfle? Ouais. Vous êtes sûr? Oui. Regardez. Le 4 de trèfle. Yes. Oh, mais c'est surprenant. Le 4 de trèfle, oh, mes amis. C'est incroyable. Et toutes les autres cartes, je peux le montrer, sont rouges. Et voilà. Voilà le principe que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est vraiment étonnant. Mais carrément, franchement, moi j'aurais été incapable de retrouver le 4 de trèfle. Et voilà, merci. Niveau difficulté, les explications sont très faciles à appréhender. Très honnêtement, la méthode utilisée est très très facile à comprendre. Ce livre peut être acheté dans toutes les boutiques de magie, mais je vous mets quand même un lien du site de Magie Création pour pouvoir l'acheter directement chez eux. Le livre est vendu seulement 35€ pour une arme redoutable pour tous les magiciens. Je vais commencer par les points négatifs. Personnellement, j'aurais aimé que l'auteur nous explique des routines beaucoup plus complexes, élaborées, en mêlant d'autres techniques. Ceci afin de composer des effets explosifs. Je pense que cette méthode mérite d'être développée, car le potentiel est là. Concernant les points positifs, la méthode est très facile à comprendre, moins de 2 minutes pour la maîtriser. C'est puissant parce qu'il n'y a rien à faire et ça fonctionne à 200%. Le contenu est de très bonne facture, et de nombreuses routines vous sont expliquées. Et le point le plus important qui clôture le débat, c'est que vous pouvez créer vos propres routines. Et voilà, cette review est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire, faites un petit like. Pour vous abonner, c'est très simple, cliquez sur le bouton rouge ici. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tour de magie. Je vous souhaite un bon week-end à tous. À bientôt. Bye bye.